Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour le point lecture de la semaine. Et j'ai aujourd'hui trois romans et un roman graphique à vous présenter. Je suis dans 2 semaines assez intensives niveau personnel et niveau, je sais pas si on peut dire professionnel, enfin bref, niveau représentation théâtrale. Donc j'ai un petit peu moins de temps que d'habitude pour lire. Du coup, voilà, ne soyez pas étonnés s'il n'y a que 3 livres et pas plus. C'est ce que j'ai pu lire la semaine dernière. Mais on commence tout de suite. Donc j'ai envie de vous parler donc vous le savez maintenant, ce sera le thème de cet été, donc il y en aura plusieurs. Du polar qui faisait partie de cette semaine, il s'agit de Mais je fais quoi du corps de Olivier Guay, publié au Masque. Alors c'est pas vraiment le deuxième qu'a écrit Olivier, je crois que c'est le troisième, mais il m'a conseillé, après avoir lu le tout premier, de lire celui-ci pour mieux appréhender le personnage. Et effectivement, j'ai appris de nouvelles choses sur Fitz. Donc, dans ses romans policiers, Olivier Guay, en fait, enfin, voilà, mis en scène un personnage qui s'appelle John Fitzgerald. C'est un nom qui n'est pas du tout facile à porter. Et du coup, il se fait appeler Fitz. Fitz, c'est un dealer de cocaïne. Mais, comment dire, dans ce domaine-là, le plus honnête possible. Parce qu'il essaye toujours auprès de ses fournisseurs de prendre de la bonne came qui ne soit pas coupée avec n'importe quoi. Et donc il est mais parisien, même pas dans l'âme en fait, je crois que tout transpire Paris dans son corps, ou que tout son corps transpire Paris. Et donc il va dans les nuits parisiennes, au moins 3 ou 4 soirs par semaine. Il vit la nuit et dort le jour. C'est aussi un féru de jeux vidéo. Voilà, donc personnage absolument atypique pour mener une enquête policière, et pourtant, dans le premier que j'ai lu, il s'est retrouvé avec un serial killer sur les bras, puisque son ex est dans la police et qu'elle voulait faire appel à ses connaissances dans le milieu en fait de la drogue et le milieu de la nuit. Et en fait, il s'est laissé emporter par son bon cœur, parce que Fitz. Malgré tout, c'est un personnage mais extrêmement attachant. Alors, dans ce livre, qui a été un excellent moment de lecture, je trouve que l'essai est vraiment transformé. C'était pas juste un roman réussi, on en a un deuxième et j'ai hâte de lire les 2 autres, je crois, paru pour le moment. Donc, celui-ci, Fitz, bon, continue. Sa vie habituelle telle que je viens de vous la décrire. Mais là, en fait, il va lui tomber pas mal d'ennuis encore sur la tête. Bon, c'est un habitué, hein, mais j'ai l'impression qu'Olivier est allé un petit peu plus loin dans ce roman-ci et que donc Fitz va réagir en allant lui aussi un petit peu plus loin. Donc, parfois, il a pu être décevant pour ses amis. Donc, il a 2 amis récurrents, Déborah et Moussa, qui sont des clients, mais aussi des gens à qui il tient et qui tiennent à lui. Et dans ce roman-là, on s'en rend vraiment compte parce que ils vont l'aider alors qu'il est menacé de toutes parts. En fait, Fitz, sans le savoir, a assisté à la mort d'un de ses clients, qui est un député. Et a priori, c'est la thèse du suicide qui est retenue. Il est poursuivi par les sbires de il ne sait qui. La police le pense responsable du meurtre, en tout cas veut l'entendre. Du coup, il faut qu'il se planque, Fitz. Et il essaie chez ses amis, mais tour à tour, ils vont être aussi menacés. Donc là, voilà, il se sent complètement acculé et on a en fait un Fitz peut-être moins dans l'humour caustique, etc. Parce que là, c'est vraiment grave. Et pour s'en sortir, il fait des choses qui ne lui ressemblent pas forcément, qui le font culpabiliser. Et j'ai eu l'impression qu'il avait mûri dans ce tome. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce qu'il garde quand même voilà, son humour, mais que
Ben, on se demande si, du coup, dans le tome final, ça s'agit un petit peu, pas trop, j'espère, ou pas. En tout cas, c'est toujours très très agréable à lire. Ça reste l'écriture, la plume, la façon de construire une histoire d'Olivier Guay. Et là, l'enquête m'a paru vraiment intéressante parce que jusqu'à la fin, Fitz a gardé des cartes dans sa manche et le lecteur ne le sait pas. Et du coup, il y a un tout petit revirement à la toute fin que j'ai trouvé bah, juste bien amené, quoi. Donc je dirais que ce sont des polars atypiques, drôles, avec un anti-héros, mais alors l'idéal de ce qu'on peut imaginer, et qui, voilà, qui font passer un moment dans la noirceur quand même, notamment des nuits parisiennes, mais qui gardent un esprit, pas bon enfant quand même, hein, mais un esprit, on va dire un peu positif et toujours, toujours dans l'humour. Qu'Olivier s'est manié à merveille. Voilà, je suis ravie d'avoir pu enfin caser ce tome et de lire la suite et puis Le Noir est ma couleur parce que selon Olivier Guay, le héros donc adolescent du Noir est ma couleur, c'est un peu le Fitz gamin ou le fils de Fitz quoi. Donc je vous avoue que là, je suis plus que tentée par Le Noir est ma couleur. Et voici donc pour le premier roman. Le second que j'ai lu, c'est Toutes ces vies qu'on abandonne de Virginie Aulagnier, publié chez Point dans les grands romans. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ma lecture, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas la meilleure lecture que j'ai pu faire ce mois. Il y en a eu d'autres plus appréciables. Néanmoins, il y a quand même des qualités dans ce livre. Alors, de quoi il est question? Donc, on est en 1918 à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale. On est en France à Annecy. C'est l'histoire de Claire qui est à la fois infirmière et novice, c'est-à-dire qu'elle veut devenir religieuse. Elle travaille donc, bien sûr, pour aider les autres infirmiers et infirmières, les brancardiers, etc., qui ramènent encore des soldats du front pour les soigner. Et elle, en fait, elle s'est spécialisée par son tuteur dans la psychiatrie. Donc, elle s'occupe des cas des poilus qui ont été le plus abîmés, en tout cas psychologiquement, presque plus que physiquement. Et va arriver un homme qui n'est pas. Alors il est conscient, mais il est tout le temps en train de dormir. Et Claire ne sait pas si, avec le docteur Tournier, son tuteur, ils vont arriver à faire quelque chose pour cet homme, pour le sortir de cette léthargie. Et donc elle va essayer, et le docteur Tournier aussi, différentes techniques, notamment par le toucher. Et l'auteur explique que ça a été les débuts, hein, justement, de ces techniques-là. Ensuite, Tournier va aussi essayer l'hypnose, qui fait un peu plus pas de bien. Je pense que c'est les deux combinés. Et les bains chauds. On est à Annecy en plus, station thermale. Donc voilà. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Claire, toutes les remises en question à 18 ans qu'elle peut avoir. Est-ce que je veux toujours devenir religieuse? Ou est-ce que j'ai envie, pardon, de devenir, ou est-ce que j'ai envie de devenir infirmière, voire médecin? Parce qu'effectivement, Tournier lui dit que voilà, elle a tout pour pas prendre sa suite, mais comme lui, devenir médecin et une femme médecin, et donc soigner les âmes. Et puis on a également tout ce qui se passe dans la tête de ce patient. Il se rappelle son enfance, il se rappelle un âge un peu plus avancé, 20, 25 ans, et il se rappelle la guerre. Donc à travers lui, voilà, on a des explications sur, ou en tout cas un témoignage de ce qui a pu se passer sur le front. Et
Voilà, et puis les rencontres qu'il a pu y faire. Donc il y a aussi une enquête sur qui il est, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment les soins apportés à cet homme, Claire qui est attirée par cet homme. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ce qu'il représente? Est-ce que c'est son âge? Voilà. Alors finalement, il y a quand même des points très très intéressants dans ce roman. Je viens de vous les énumérer. Pourquoi je n'ai pas été totalement emportée? J'avoue que je ne pensais pas que la réflexion sur la religion serait aussi présente. Elle va plus loin que les émois d'une jeune fille de 18 ans, surtout à cette période. Elle est bien plus mature que ça, Claire. Et ça prend quand même pas mal de place. Les réminiscences de cet anonyme, du moins au départ, ne sont pas toujours toutes intéressantes en fait, parce qu'on n'arrive pas forcément à faire le lien entre les soins apportés et les réminiscences. Mais certainement, et c'est pour ça que ça n'a pas été le plus compliqué, parce que justement, il faut aller. C'est un stress post-traumatique. J'ai du mal à parler. C'est un stress post-traumatique. Et forcément qu'il faut un temps pour que le cerveau arrive ou pas à se reconstruire. Et est-ce que cet homme va pouvoir vivre avec l'horreur de ce qu'il a traversé et celle avec laquelle il a vécu pendant des années? Donc ça, non, c'est pas le pire. Je crois que c'est vraiment la question religieuse récurrente qui m'a été un peu pénible à certains moments. Mais voilà, si vous avez envie de lire un livre sur la Première Guerre mondiale qui sort un peu des sentiers battus, où on n'est pas sur les différentes dates, les différentes phases de la guerre, je pense que ça, c'est un bon compromis et que du coup, finalement, c'est quand même plus la psychiatrie qui est au cœur même du roman et c'est moi ce qui l'a sauvé, en tout cas à mon niveau. Alors, le troisième roman que j'ai lu, il s'agit du livre de SN Le Moyne. Je vous ai déjà parlé la semaine dernière de mes 7 ex, donc là pareil, je vous mettrai la photo ici aussi puisque c'était un e-book. Donc ça s'appelle Powerful, c'est le tome 1 et le titre c'est Le Royaume d'Arcilor. Donc l'auteur nous entraîne dans un monde totalement inventé et dans ce monde il y a plusieurs parties. Au sud, c'est le désert. Sur la partie ouest, ce sont des terres dont on ne va pas parler dans ce tome-là. Et donc au nord-est, c'est le royaume d'Arcilor. Et nous, en fait, on va suivre les personnages qui sont dans la capitale, surtout, d'Arcilor. Donc le roi qui était en place a été renversé par Relan, je ne sais pas comment l'appeler, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui est une ordure, pas d'autre terme, et qui, avec l'aide de son fils, va totalement changer la gouvernance. C'est-à-dire que il va bien diviser, alors pas le peuple, mais les choses. Donc il y aura les personnes qui vont vivre au château, tels son fils et lui, son fils qui est gardien enfin chef des gardiens, pardon, et puis des conseillers. Mais en tout cas, dans ce monde-là, c'est compliqué à expliquer, hein. Dans ce monde-là, il y a des personnes qui ont des pouvoirs, qui sont les Silarens. Et des personnes qui n'en ont pas, qui sont les Yelarens, pareil, j'espère que je prononce bien. Mais les Yelarens, on s'en rend compte, eux peuvent parfois utiliser la magie, mais plus la magie de la terre, de l'air, enfin, vous voyez, parfois la magie aussi de la médecine, donc faire des onguents, faire des fioles pour soigner, etc. Et en fait, quand le roi régnant, donc Relan, s'empare du pouvoir en tuant le roi, ses conseillers, des gardiens, des gardiennes,
Il va faire un nombre important d'orphelins. Et une de ces orphelines, Selna, va revenir lorsqu'elle apprend que Lithar, le fils du roi, part pendant deux lunaisons pour faire des recherches un peu plus loin sur le territoire d'Arcilor, pardon. Et elle va essayer de monter une armée alors de Silarens, parce qu'il y a encore des habitants qui ont des pouvoirs. Alors là, je ne vous nomme pas les pouvoirs, hein, il y en a plein, 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 plein. Elle en possède un certain nombre et des très puissants. Et puis, elle va essayer aussi de former des archers, des combattants. Voilà. Donc, en fait, on va suivre ses aventures. Celle de Cyr, qui est en fait appelé le maître, parce que normalement, il aurait dû devenir Utelins, j'espère que je prononce bien aussi, ce qui veut dire conseiller, parce qu'on possède le savoir, l'histoire du royaume. Mais en fait, voilà, le pouvoir a été pris au moment où il aurait dû être nommé. Du coup, il vit dans sa tente, il a perdu sa femme, sa fille, et en fait, il veut quand même continuer, dans le secret, à transmettre son savoir aux jeunes générations, voire un peu moins jeunes. Et donc, c'est ce complot, contre-complot qu'on va suivre, comment il est fomenté, comment les gens vont être formés avec divers personnages, et jusqu'à l'affrontement entre Selna et le pouvoir, enfin Selna et toute sa troupe, bien sûr, et le pouvoir en place. Alors, ce roman, j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite. Tous les ingrédients sont là. Les retours dans le passé sont extrêmement bien faits. On suit tout à fait le fil de l'histoire. L'histoire en elle-même, elle est intéressante parce que dès le début, on a une explication sur le royaume, son fonctionnement, pourquoi il y a eu ce basculement de gouvernement. Et puis ensuite, il y a l'explication de comment elle va explorer, ça s'appelle comme ça, donc savoir qui a des pouvoirs, quels sont-ils, comment ils pourraient aider à renverser cette royauté. Donc voilà, on va voir chacun des personnages un petit peu mis en avant traverser cette aventure. Et franchement, l'auteur a vraiment réussi à créer son monde, à m'y faire croire totalement, à me laisser prendre dans cette aventure, à me poser même des questions sur le reste d'Arcilor, questions qui arrivent aussi à un moment en tête de Selna. Pourquoi on parle surtout de la capitale? Pourquoi les autres parties de ce royaume ne sont pas plus représentées? Est-ce que finalement ça n'a pas été une faiblesse? Voilà, donc il y a plein de réflexions, même politiques. J'ai beaucoup aimé aussi. Ils vivent dans des espèces de tentes, mais des tentes qui ont l'air solides. Alors, j'arrive pas bien à me les représenter, mais vous voyez, il y a des pièces, plusieurs pièces différentes, donc je pense qu'il y a du bois à certains endroits. Enfin, bref, j'ai beaucoup aimé toutes les idées. Et je trouve que quand on n'a pas envie de lire de la fantaisie, vous savez, qui est trop trop lourde, parce qu'il y a quand même une langue qui a été inventée par l'auteur. Mais qui n'est pas surutilisée et qu'elle nous explique en plus à la fin du livre. Voilà, on est dans de la fantaisie qui reste adulte, mais qui n'est pas trop complexe, où on n'est pas obligé de se dire, oh là là, c'est qui lui déjà? Il n'y a pas 25 000 personnages, et ils sont bien, bien définis, bien différents, donc on s'y retrouve complètement, en fait. Du coup, encore une fois, mais moi, je vous conseille les écrits, là ce sera le deuxième, de S.N. Lemoine, suivant si vous préférez tout ce qui est un petit peu plus chick-lit romance ou si vous êtes plus fantasy, donc aventure, etc. Ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien, les différents liens qu'elle a pu m'envoyer pour que vous puissiez la suivre, lire aussi des résumés et peut-être aussi le lien que je trouverai sur Livre Addict pour ses livres.
Donc voilà, en tout cas, ça a été vraiment une lecture. Alors là, pour le coup, c'était pas rafraîchissant parce qu'il se passe des choses pas toujours très agréables. Mais voilà, c'était un très bon moment de lecture que je vous recommande. Et donc, on va passer au roman graphique que vous connaissez tous. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à ce roman graphique. Donc, c'est Walking Dead de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler, publié chez Delcourt. Donc, c'est un emprunt médiathèque. Alors, j'ai, il y a longtemps de ça, plusieurs années, commencé la série. J'ai vu le pilote. Donc, je connaissais le début de l'histoire. Et en fait, noyée dans le manque de temps, dans le nombre de séries que j'ai aussi, elle n'était pas dans mes priorités. Du coup, quand je l'ai vue, j'ai dit, eh ben, j'ai envie de retenter. Peut-être que le support papier m'ira mieux, me prendra moins de temps, parce que c'est un format quand même de, je crois, 50 minutes pour les épisodes. Voilà, du coup, j'ai pris le premier tome, Passé décomposé. Alors, moi, voilà, vraiment, c'est des planches qui ne sont pas colorées. Ça me va très bien pour un roman graphique. Il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas mieux. Hein. Bon, non, en fait, je m'en fiche pas, mais c'est moins grave, disons. Et voilà, je trouvais que c'était plutôt bien présenté, que ça m'allait bien, que les créatures étaient aussi assez bien faites, enfin, voire même très bien faites. Donc, si jamais il y en a comme moi qui en sont restés au début ou qui n'ont pas été tentés, il s'agit de l'histoire de Rick, qui est policier, mais vous savez, plutôt de petite ville, et qui, en fait, lors d'une mission avec son coéquipier Shane, va se prendre une balle, si je dis pas de bêtises, et donc il va se retrouver à l'hôpital. Shane est marié, il a un fils, et quand il se réveille, à l'hôpital, il n'y a plus personne, ou alors c'est des cadavres, et lui, il comprend rien. Il est même horrifié parce que bah, il trouve plus de nourriture, il trouve plus de voiture, il se fait, enfin il y a des créatures qui essayent de le bouffer. Voilà, donc il est complètement paumé dans un cauchemar. Et cette idée-là, moi, ça m'a bien plu. Donc, sans aller trop loin, parce que c'est qu'un premier tome, il va rencontrer un autre homme qui n'est pas du tout infesté. Il apprend que c'est par morsure qu'il peut être infesté à son tour et que le gouvernement a conseillé, mais plusieurs jours auparavant, aux familles de rejoindre les grandes villes et que sa femme est peut-être à Atlanta. Donc il va partir d'abord à vélo puis à cheval rejoindre sa femme à Atlanta. Ah oui, parce qu'en fait il a un problème de voiture, donc du coup il peut plus la prendre. Donc voilà, donc du coup, c'est ses premières aventures. Et franchement, ça m'a vachement plu, mais autant que le pilote. Du coup, voilà, je regrette pas d'avoir tenté le coup, parce que je pense que c'est des zombies. Chut, vous me dites rien. Je pense que c'est des zombies, mais je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis dans le même état d'esprit que Rick. Et j'ai vraiment, vraiment envie de savoir. Donc, vous verrez dans mon bookhaul que j'ai trouvé un moyen de pouvoir continuer Walking Dead. Je vous expliquerai comment. En tout cas, vraiment, n'ayez aucune hésitation. C'est pour moi. Alors, il ne faut pas craindre, bien sûr, les scènes de violence, les cadavres en décomposition et autres. Mais sinon, c'est pour moi, c'est vraiment voilà, une série qui tient bien la route, du moins dans le premier tome. Franchement, j'espère que les autres, ce sera le même cas, quoi. Donc voilà, bon, il faut aimer le noir et blanc au niveau du dessin. Les expressions sont pas toujours, les expressions des personnages sont pas toujours tip-top, mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas non plus dans une BD. Ça, voilà, ça ne m'a pas du tout freinée dans ma lecture. Ouais, donc je suis vraiment ravie d'avoir sauté le pas.
C'est donc tout pour ce point lecture. J'ai l'impression que c'est hyper court et c'est l'impression que j'ai eue de ne pas avoir beaucoup lu. Mais bon, fête des pères, anniversaire, tout ça oblige, répétition. Donc en tout cas, j'espère que vous, vous avez pu lire aussi, peut-être plus, que vous avez fait aussi de bonnes lectures. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires comme vous le faites bien souvent. Et nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite d'ici là de vous protéger de la chaleur, de profiter de l'été qui s'annonce et de faire encore de très très belles lectures. À tout bientôt, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!